Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je me présente, Fabrice Genevois. Alors, je n'habite pas en Bretagne, je viens de loin. J'ai pris l'avion ce matin à 7h. J'habite dans le Cantal, hein, en Auvergne. Donc, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux marins dans le Cantal, mais je passe 7 à 8 mois par an sur des bateaux dans les régions polaires. Et j'étais au Groenland il n'y a pas très longtemps et je repars en Antarctique dans 3 semaines. Donc, je suis de passage et je suis ravi d'être ici dans votre belle Bretagne. Alors, aujourd'hui, effectivement, le sujet, vous l'avez vu, c'est sur les oiseaux marins, mais c'est un sujet vaste. On peut passer plusieurs heures à parler des oiseaux marins. Donc, volontairement, j'ai été assez concis. J'ai privilégié certains thèmes qui me sont chers, mais bien sûr, si vous avez des questions à la fin de cet exposé, elles sont les bienvenues. Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle d'un oiseau marin, il convient de définir ce qu'est un oiseau marin. Alors, ça paraît évident pour tout le monde. Un oiseau marin, c'est un oiseau qui passe une grande partie de sa vie en mer. Et en fin de compte, il n'y a pas vraiment de définition absolue, c'est assez arbitraire. Mais un oiseau marin, pensez simplement que c'est un oiseau qui va s'alimenter en mer et quasiment la plupart de sa vie. Je dis ça parce qu'il y a des oiseaux, effectivement, qui parfois s'alimentent en mer, et vous les connaissez, ce sont les plongeons, les éders, qui sont des canards marins, les phalaropes, qui sont des petits limicoles également, qui passent une partie de leur vie en mer, mais volontairement, je ne les ai pas inclus dans ce que j'appelle les oiseaux marins, parce qu'ils passent un peu de temps en mer, mais c'est un petit peu par défaut, ils se reproduisent à terre, ils passent beaucoup de temps à terre, et parfois en hiver, effectivement, ils ont une écologie marine. Donc, dans l'exposé d'aujourd'hui, je me consacre uniquement aux vrais oiseaux marins sensu stricto qui sont en fait englobés dans 5 ordres majeurs au niveau de la systématique. Si vous vous rappelez un petit peu vos cours il y a très longtemps, lorsqu'on parle de systématique, on parle de classification. Et là, je vais parler d'ordre. Ce sont 5 ordres d'oiseaux qui n'ont pas forcément des rapports les uns avec les autres. J'expliquerai tout à l'heure que les oiseaux marins ont des ancêtres parfois très différents. Il n'y a pas une lignée d'oiseaux marins, mais les plus connus, les plus célèbres, certainement, ce sont les manchots, l'ordre des Sphéniciformes, qui est un ordre uniquement composé d'oiseaux marins. Il n'y a aucun manchot, bien sûr, qui n'est pas marin. Ils sont tous adaptés à la vie en mer. Le deuxième ordre d'oiseaux très célèbre, ce sont les fameux albatros et les pétrels, l'ordre des Procellariformes, qui sont également exclusivement des oiseaux marins. Donc, il n'y a aucun albatros ou aucun pétrel qui aura une écologie terrestre. Ils sont tous adaptés à une vie marine. Et enfin, le troisième ordre, je dirais, d'oiseaux uniquement marins, ce sont les fameux phaétons que vous connaissez peut-être sous un autre nom, ce sont les paillanqueux, oiseaux tropicaux qui sont effectivement uniquement marins. Ensuite, vient un ordre d'oiseaux qu'on appelle les pélicaniformes, très variés. Et là, je dirais, les 90% de ces oiseaux sont marins. Mais du reste, il y a des cormorans et des pélicans qui ne voient jamais la mer. Il y a des pélicans et des cormorans qui sont inféodés aux eaux douces, des fleuves ou des lacs. Donc cet ordre n'est pas exclusivement composé d'oiseaux marins, même si 90% des espèces le sont. Et enfin, un ordre encore plus varié en termes d'espèces, ce sont les fameux caradriformes, donc représentés ici par les goélands, les sternes, les labes et les fameux pingouins. Mais là, en l'occurrence, on a un ordre qui n'est pas exclusivement marin, puisque les limicoles, par exemple, sont des caradriformes. Donc on a une espèce de melting pot. Mais garde en mémoire qu'on a 5 ordres majeurs d'oiseaux marins. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, vous savez très certainement qu'on recense en gros environ 10 000 espèces d'oiseaux sur Terre, approximativement. Et parmi ces 10 000 espèces d'oiseaux, on en recense à peine 305 qui sont des oiseaux marins. Alors, c'est quand même un sacré paradoxe, parce que si vous regardez la surface de la planète, les 3/4 de la planète sont couverts par des océans. Donc, avoir 3% d'oiseaux marins, simplement, c'est quand même assez anachronique. Mais il y a des raisons à cela. Il y a des raisons à cela. Et la première, c'est que l'environnement marin est très uniforme. Il n'y a pas vraiment beaucoup de niches écologiques à exploiter lorsqu'on est un oiseau. On peut pêcher effectivement en profondeur ou partir très loin au large, mais on a 2 gradients, un vertical, un horizontal, mais il n'y a pas vraiment de diversité en termes de niches. Si vous êtes dans une forêt tropicale, vous avez bien sûr la strate arborescente, la canopée, la strate arbustive, vous avez toute une guilde de niches écologiques qui est virtuellement absente finalement en mer. Donc, pauvreté des niches écologiques. Le deuxième facteur qui explique, à mon avis, la faible diversité des oiseaux marins, c'est la faiblesse de la productivité océanique. L'océan n'est pas un secteur très riche d'un point de vue de productivité, d'un point de vue de carbone par unité de surface. À part certains secteurs particuliers, c'est relativement pauvre, un océan.
Si on compare surtout un océan à une forêt tropicale, songez que 5% simplement de la planète est couverte de forêts tropicales, mais un quart de la production primaire de carbone est faite dans ces forêts tropicales. Donc là, on a un puits, effectivement, énorme, et on a donc une fabrication de carbone qui n'a pas d'équivalent. Ce n'est pas le cas en mer, il faut faire des distances considérables pour amasser cette productivité. Et enfin, ça paraît un petit peu anodin, mais sachez que lorsque vous regardez une carte du monde, certes, la mer couvre l'essentiel des planisphères, mais il y a des tas de zones en fait, qui sont complètement vierges de terres émergées. Si vous allez à l'île de Pâques, par exemple, je vous le conseille, c'est superbe l'île de Pâques. Si vous prenez un bateau et vous allez vers le sud, vous atteignez la côte du continent antarctique sans croiser d'île ou d'archipel. C'est un désert, il n'y a pas de terres émergées. Donc, même si cette zone était riche d'un point de vue biologique, les oiseaux marins ne peuvent pas s'y alimenter hors période internuptiale. Ils ne peuvent pas se reproduire, il n'y a pas de site qui peut abriter leur nid. Donc on a des vastes océans, mais pas tellement finalement de possibilités pour eux de se reproduire. Alors, lorsqu'on regarde une carte du monde, c'est très intéressant parce que la distribution des oiseaux marins est liée en grande partie à la température des eaux de surface. Évidemment, vous connaissez tous les zones tropicales, tempérées jusqu'aux zones froides, polaires, et on a en fait des groupes d'oiseaux marins qui sont assez associés à sa différente température de surface. Vous avez tous à l'esprit, bien sûr, les fameux manchots, voire les albatros ou les pétrels de l'océan austral, donc les eaux froides ou tempérées de l'hémisphère sud. Lorsqu'on remonte un peu plus au nord et que lorsque l'on gagne les tropiques, on a bien sûr les oiseaux célèbres, que sont les frégates, une grande partie des pélicans, de nombreuses sternes également. Et enfin, lorsqu'on monte dans l'hémisphère nord et qu'on atteint ici les côtes de Bretagne, on a bien sûr les fameux alcidés, donc les maquereux, les guillemots, etc. Donc on a finalement des groupes d'oiseaux marins qui sont assez bien inféodés à des températures de surface, que ce soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les manchots aimaient l'eau froide. Simplement, les manchots aiment se trouver dans des secteurs où les conditions alimentaires leur sont favorables, à savoir le fameux krill en Antarctique. Et donc, cette distribution des oiseaux marins est associée à la distribution de leurs proies. On trouve certains types d'oiseaux marins là où on trouve certains types de proies, point barre. Mais les oiseaux marins n'aiment pas le froid ou le chaud. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un by-product de leur distribution. Alors, lorsqu'on s'attarde un peu plus près sur une carte, j'ai fait cette carte tant bien que mal pour les besoins du livre dont on vient de vous parler, mais c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle illustre en fait la diversité des oiseaux marins au sein du globe par grande région écomarine, on va dire. Et qu'est-ce qu'on constate immédiatement? On constate que la zone tropicale, donc ici en jaune très clair, est relativement pauvre. Si on la compare aux zones tempérées froides du sud ou même du nord. Le hotspot pour les amoureux des oiseaux marins, c'est la Nouvelle-Zélande. 70 espèces qui se reproduisent, donc beaucoup d'endémiques, albatros, manchots, mais également le nord du Pacifique, le détroit de Bering, mais aussi la partie atlantique de l'Europe occidentale. On a quand même un certain nombre d'espèces d'oiseaux marins. Mais en deçà, la zone tropicale, c'est quasiment un désert ornithologique en termes de diversité. Alors, sur cet histogramme que je vous présente, c'est encore plus évident. Vous voyez que dans les zones tempérées, on a plus du double d'espèces présentes dans les zones tropicales. Et il y a une raison très simple à cela. Et vous la connaissez tous, c'est que dans ces eaux froides ou fraîches, on a beaucoup plus de gaz carbonique et d'oxygène dissous. Et on sait bien sûr que c'est la base de la photosynthèse pour les algues du phytoplancton. Des eaux riches en gaz dissous, ce sont des eaux productives, surtout si elles sont peu profondes. Donc les zones tempérées sont en paradis pour ces oiseaux marins. Mais alors là, vous allez me dire, mais quid des zones polaires, elles sont encore plus froides. Et pourtant, si on combine les deux zones polaires, on arrive péniblement à 29 espèces. Il y a une raison très simple, c'est que les zones polaires ont un problème majeur, c'est qu'une grande partie du temps, notamment en hiver, elles sont couvertes de banquises. Et forcément, la banquise empêche l'accès à la mer libre par les oiseaux marins. Et en plus, le climat est terrible, donc il faut des adaptations particulières. C'est ce qui explique qu'on trouve peu d'espèces dans les zones polaires, mais peu d'espèces compensées par des effectifs énormes. C'est dans les régions polaires qu'on trouve les plus grosses populations d'oiseaux marins. On pense bien sûr aux manchots, mais il n'y a pas que les manchots, il y a d'autres espèces d'oiseaux. Et dans le nord notamment, l'un des oiseaux marins, si ce n'est l'oiseau marin le plus abondant au monde, c'est le fameux mergulnain, qui est un oiseau polaire, qui niche notamment sur les côtes du Groenland. Donc une faible diversité spécifique compensée par un nombre énorme d'individus, typique donc des régions polaires des deux hémisphères. Alors, cette colonisation des océans du monde,
les oiseaux marins l'ont fait au prix d'adaptations particulières. On n'est pas oiseau marin qui veut. Il faut avoir développé des adaptations très spécifiques. Et ces adaptations, bien sûr, ne viennent pas comme ça du jour au lendemain. L'histoire des oiseaux marins sur la Terre est vieille de 100 millions d'années. Et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un ancêtre commun à tous les oiseaux marins. Il y a plusieurs lignées qui ont tenté le pari, je dirais, d'une vie océanique, et certains ont échoué, certains se sont éteints, certains ont donné d'autres lignées qui sont aujourd'hui présentes. Et regardez un peu ces images, ces animaux semi-préhistoriques, cet oiseau qu'on appelle le Pelagornis, qui faisait presque 7 mètres d'envergure, un des premiers oiseaux marins avec des dents osseuses, qui a été suivi rapidement par d'autres oiseaux plongeurs, cette fois les Hesperornis, qui étaient des oiseaux comparables d'un point de vue écologique aux manchots actuels, même si leur lignée a avorté puisqu'ils n'ont pas donné de descendants. Donc au fil de l'évolution, au fil des millions d'années, les oiseaux marins se sont diversifiés, certaines lignées se sont éteintes et d'autres se sont maintenues. Mais un phénomène que l'on remarque aujourd'hui, c'est que pour être un oiseau marin, il faut respecter un gradient de taille. On ne peut pas être trop petit aujourd'hui si on veut être un oiseau marin. Songez que sur Terre, on peut faire 2 ou 3 grammes. Un colibri en Amérique centrale fait 2 grammes, 2 grammes 5. C'est impossible en mer pour des contraintes de régulation thermique. Donc un oiseau marin ne peut pas être minuscule, il peut l'être, mais il faut respecter une certaine échelle. Et aujourd'hui, le plus petit oiseau marin fait environ 20 grammes. C'est un océanite qu'on appelait jadis un pétrel tempête. 20 grammes, c'est un petit peu la limite qu'on ne peut pas dépasser. En dessous, on ne peut pas vraiment assurer sa régulation thermique. Les phénomènes de convection par le vent sont beaucoup trop importants. Et la vie en haute mer, bien sûr, est terrible. On est ballotté par les éléments. Par contre, on peut être beaucoup plus grand. Et on trouve des records parmi la gent ailée océanique, notamment les albatros, les grands albatros ou les albatros royaux sont parmi les oiseaux dont l'envergure est la plus importante, plus de 3 mètres. 3 mètres 30 pour les records, donc c'est énorme. Et ils sont en rivalité simplement avec les grands condors dans les Andes. Mais des oiseaux énormes, donc d'une envergure fabuleuse. On trouve des oiseaux très lourds également, et ceux-ci le sont parce qu'ils ont abandonné la faculté de voler dans les airs. Ce sont les manchots, en particulier les manchots empereurs, jusqu'à 45 kg pour les gros mâles. Alors eux, ils ont décidé simplement de ne plus voler. Et en devenant énormes, en devenant très lourds, bien sûr, ils ont acquis la possibilité de descendre beaucoup plus profond en profondeur. Donc ce sont aujourd'hui les plongeurs les plus émérites parmi bien sûr les oiseaux. Donc on y reviendra. On peut être lourd, mais on ne peut pas être petit, je le répète, lorsqu'on est un oiseau marin. Alors une des adaptations les plus fondamentale lorsqu'on vit en mer, c'est la possibilité de maintenir son osmolarité, c'est-à-dire la capacité à évacuer le trop-plein de sel. Il n'y a pas d'eau douce à boire en plein océan. Lorsqu'on est un oiseau, on boit l'eau contenue dans ses proies ou on boit même l'eau de mer. Et il faut être capable d'excréter les sels en excès. Et les oiseaux le font grâce à une glande occipitale qui se trouve donc à l'avant de la boîte crânienne. Et ils sont capables d'expulser le sel en excès, qui sort donc par les narines, ici les narines tubulaires de cet albatros. Et donc c'est un phénomène qui est tout à fait efficace et assez simple d'un point de vue mécanique. Et on distingue sur cette image, par exemple, la goutte qui perle au bas du bec de cet albatros royal. Cette goutte a été évacuée par les narines tubulaires et qui descend donc tranquillement et qui est évacuée sous forme de gouttelettes. Donc cette osmolarité est fondamentale lorsqu'on est un oiseau marin. Alors je précise au passage, et ça c'est les méandres de l'évolution, que d'autres créatures marines, d'autres vertébrés marins, comme les reptiles marins notamment, ont développé le même type de glandes parce qu'ils font face au même problème, excréter le sel en excès. Donc les tortues marines et les fameuses iguanes marins des îles Galapagos ont les mêmes glandes occipitales qu'ils ont développées, bien sûr, de manière conjointe, mais il n'y a aucune ascendance, bien sûr, commune entre ces oiseaux et ces reptiles, mais c'est ce qu'on appelle une convergence d'évolution. Alors, attardons-nous un tout petit peu maintenant sur la morphologie générale de ces oiseaux. Lorsqu'on est un oiseau marin capable de voler, en fait, on peut décliner la forme des ailes en 4 types majeurs. Vous pouvez avoir des ailes longues et effilées, comme ce pétrel de Kermadec, adaptées au vol glissé sur l'océan, adaptées pour l'endurance à la faveur des vents qui balayent l'océan austral. C'est le cas typique des albatros. Vous pouvez opter pour une autre formule, des ailes longues cette fois-ci, mais larges dans le cas des pélicans, bien plus adaptées au vol par ascendance thermique qu'on trouve dans les régions tropicales. Ou alors avoir des ailes courtes et étroites dans le cas des alcidés, adaptées davantage à la plongée, mais toujours capables de vous supporter en l'air.
ou finalement des ailes courtes et larges lorsque vous êtes un cormoran. Donc ce sont les quatre types, finalement, les quatre morphotypes au niveau des ailes des oiseaux marins. Alors, je dirais qu'il y en a même un cinquième, et ce cinquième, il est assez particulier, puisque c'est le morphotype développé par les manchots, à savoir une régression terrible des ailes, au point que ces ailes ne peuvent pas les supporter pour voler. Les manchots ont en quelque sorte des ailerons, qui sont en fait des ailes transformées, mais pensez aux explorateurs du début du XVIIIe siècle, lorsqu'ils ont découvert pour la première fois décrit ces manchots, ils ont été troublés et ils ont même placé ces oiseaux au sein des reptiles au départ, parce que pour eux, ce n'était pas des plumes, mais davantage des écailles qui recouvraient les ailerons de ces oiseaux. On sait aujourd'hui, bien sûr, que les manchots sont des oiseaux pour une raison très simple, c'est que pour être un oiseau, il faut avoir des plumes. Ces manchots ont des plumes, certes modifiées, mais ce sont des plumes. Et donc, ces manchots ont abandonné, bien sûr, la faculté de voler dans les airs au profit de performances sous-marines extraordinaires. Ce sont les meilleurs plongeurs au monde, en tout cas les meilleurs plongeurs parmi les oiseaux marins. Alors sachez qu'il y a un autre oiseau qui ne vole pas, un autre oiseau marin aptère. En fait, il n'est pas aptère puisqu'il a des ailes, mais ses ailes sont atrophiées. C'est le cormoran aptère des îles Galapagos qui ne vole pas, mais qui plonge parfaitement. Et il a pu développer cette morphologie très particulière parce qu'il n'y a pas de prédateurs terrestres aux Galapagos, donc pas besoin de s'enfuir. Un peu comme les manchots en Antarctique, il n'y a pas de prédateurs mammaliens terrestres. Donc on peut abandonner facilement la faculté de voler, il n'y a pas à craindre de prédateurs. Donc c'est le deuxième exemple, à part les manchots, ce cormoran incapable de voler. Lorsqu'on regarde la forme de ces oiseaux plongeurs, quelque chose bien sûr saute aux yeux et ça découle de la pure logique, c'est que la forme de ces oiseaux bien sûr est allongée pour diminuer bien sûr la surface de leur section. Tout en gardant la même masse, avoir un corps allongé facilite évidemment votre hydrodynamisme, donc votre pénétration dans l'eau. Et ça, c'est quelque chose de commun aux manchots, aux alcidés, mais également aux cormorans. Donc un corps allongé pour favoriser l'hydrodynamisme. Ceci s'accompagne souvent, je dirais même quasiment tout le temps, de pattes déplacées très loin vers l'arrière. Les pattes, même pour les oiseaux qui ne plongent pas, sont souvent des charges quasiment inutiles. Donc ces pattes sont souvent réduites à leur plus simple expression. Elles sont palmées, bien évidemment, mais elles sont souvent déplacées très loin vers l'arrière. Et dans le cas des frégates, par exemple, elles sont quasiment minuscules. Regardez cet oiseau énorme, la petitesse de ses pattes, qui du reste ne sont quasiment pas palmées. Les frégates ne se posent pas sur l'eau, elles passent leur vie en l'air, et quand elles se posent, c'est sur des branchages. Lorsqu'elles s'alimentent, elles capturent les poissons volants en vol, ou elles piratent, elles volent l'alimentation des autres oiseaux marins, mais toujours des pattes petites et déplacées très loin vers l'arrière. Alors, une chose que je trouve fascinante, moi, c'est la coloration des oiseaux marins. Je me suis souvent posé la question, et d'ailleurs, on trouve ça dans tous les livres de biologie, c'est souvent très bien expliqué, c'est cette coloration si particulière, je dirais si monotone des oiseaux marins, souvent noire et blanche, ou grise et blanche. On a souvent ce qu'on appelle un contraste dorso-ventral, la partie supérieure est sombre et la partie inférieure est claire. Et ça, c'est valable chez, je dirais, 90% des oiseaux marins, sauf quelques cas particuliers. Et ça s'explique très bien. Et là, on a affaire à l'éternelle histoire du chasseur et du chassé, cette partie du cache-cache constante qui fait qu'on doit débusquer ses proies sans être soi-même la cible des prédateurs. Et on comprend cela très bien lorsqu'on est dans l'eau. Lorsque vous êtes dans l'eau et que vous regardez vers le haut, effectivement, la partie claire du ventre de ces oiseaux se confond avec la lumière amblante. Vous avez ici un albatros, ici des manchots. Et on voit très bien qu'effectivement, ce contraste leur permet de passer quasiment inaperçus en surface lorsqu'ils sont regardés par-dessous. En revanche, lorsqu'ils sont regardés par-dessus, c'est l'inverse. Effectivement, la coloration sombre de leur dos, ici des manchots à jugulaires, se confond parfaitement avec le fond de l'océan. Donc c'est une partie de cache-cache, un camouflage qui, du reste, a été adopté par quasiment tous les vertébrés marins, depuis les poissons, en passant par les reptiles et bien sûr les mammifères marins que sont les baleines et les dauphins. Souvent, chez ces animaux, le dos est sombre, le ventre est clair. Donc ce n'est pas quelque chose propre aux oiseaux marins, mais quelque chose qui a été bien sûr adopté par beaucoup de vertébrés. Quelques oiseaux marins ont des colorations assez particulières qui ne sont pas forcément contrastées dorso-ventralement, en tout cas pas noires et blanches. Et j'aime à citer le cas des prions. Les prions, ce sont des petits pétrels de l'océan Austral qui ont une coloration qui se fond quasiment parfaitement avec la mer. Regardez cette photo ici en haut à droite. On a du mal à distinguer ces oiseaux qui volent
à la surface de l'eau. Ces oiseaux sont la cible des prédateurs, sont la cible des labbes et des pétrels géants, donc ils ont besoin de passer inaperçus. Et du reste, lorsqu'ils sont en mouvement, on a souvent du mal à les suivre, même lorsqu'on les a repérés avec ses jumelles. Et sachez pour votre information que la marine américaine a élaboré une peinture spéciale pour recouvrir ces bateaux, et cette peinture a été élaborée en regardant la pigmentation de ces prions. Donc lorsque vous verrez un bateau de l'US Navy, pensez à ces prions. La couleur de ces bateaux vient directement de la couleur de ces prions. Et enfin, il y a d'autres oiseaux marins qui ont des colorations assez particulières de par l'environnement dans lequel ils vivent. Lorsqu'on est dans une région polaire et qu'on passe sa vie dans la banquise, qui est le cas de la mouette ivoire, ou du pétrel des neiges, on est blanc, bien sûr, pour se fondre dans le décor. Donc ce sont des cas particuliers qui illustrent la diversité des colorations, mais toujours quand même assez simple, noir-blanc, voire gris, voire blanc, dans les régions polaires. Alors j'insiste sur le fait que toutes les adaptations que je viens de mentionner, et il y en a d'autres, bien sûr, on pourrait passer des heures à les évoquer, mais sachez que les quelques cas que je viens de mentionner sont propres à tous les oiseaux marins. Et souvent, des groupes d'oiseaux marins très loin d'un point de vue de l'évolution ont adapté les mêmes adaptations. Et c'est ce qu'on appelle classiquement en écologie l'homoplasie ou la convergence d'évolution. Des groupes non apparentés, évoluant dans le même milieu, donc faisant face aux mêmes contraintes de l'environnement, ont adapté les mêmes adaptations. Vous savez, le milieu marin est stéréotypé pour faire face à la pression. Il faut être hydrodynamique et il n'y a pas 50 solutions pour être hydrodynamique. Il n'y a pas 50 solutions pour avoir un bon camouflage. Il faut être noir et blanc, je viens de l'évoquer. Donc vous avez sur cette image, par exemple, le mergule nain, qui est un alcidé de l'hémisphère nord, et ici le puffineur plongeur, qui est un oiseau de la famille des pétrels. Rien à voir d'un point de vue de l'évolution, pourtant des formes étonnamment similaires. Et Charles Darwin lui-même avait été troublé. Il avait été tenté de placer les puffinures dans la famille des alcidés, mais il s'était ravisé à la lecture de ses petites narines tubulaires. Il avait compris, Darwin, que la forme similaire de ces oiseaux était simplement due aux mêmes pressions de sélection de l'environnement. Alors, ces oiseaux marins, bien sûr, sont formidablement adaptés à la vie en pleine mer. Et qui dit vie en pleine mer, bien sûr, dit alimentation en pleine mer. C'est ce qui caractérise un oiseau marin. On passe sa vie en mer, mais pour une raison très simple, c'est qu'on s'alimente en mer. Et ces oiseaux marins, bien évidemment, s'alimentent de proies que vous connaissez tous. La majorité de ces proies sont des poissons, mais les céphalopodes et les crustacés figurent également en très bonne place localement. Et on estime à 70 millions de tonnes par an la consommation annuelle par les oiseaux marins. Alors, ça ne vous dit peut-être rien, 70 millions de tonnes, mais c'est à peu près l'équivalent au prélèvement des pêcheries industrielles. Donc, c'est 50-50. On prélève autant de poissons par nos pêcheries industrielles que les oiseaux marins prélèvent de poissons et de crustacés et de céphalopodes dans la nature. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et les principaux responsables de cette consommation, c'est deux groupes d'oiseaux, les manchots et les pétrels. Tout simplement parce qu'ils sont très très nombreux, je l'ai dit, des millions en termes de population. Donc les deux tiers de ces 70 millions sont consommés uniquement par les procellariformes et par les manchots dans l'hémisphère sud. Donc une consommation énorme. Alors bien évidemment, suivant où vous êtes sur Terre, vous ne consommez pas les mêmes proies. Sous les tropiques, ce sont essentiellement des poissons volants et des poissons dits pélagiques. Dans le Grand Nord, une espèce clé, la morue polaire, un petit poisson pas très gros, mais consommé par énormément d'oiseaux marins, notamment les guillemots, mais également les copépodes, consommés quasi exclusivement par les mergules nains. Si on change d'hémisphère et qu'on va du côté de l'Antarctique, on trouve bien sûr toujours des crustacés, des poissons et des céphalopodes. Et le crustacé ici légendaire, c'est le fameux krill, qui n'est pas une crevette, qui ressemble fortement. Mais l'essentiel des eaux marins sont des consommateurs de krill, y compris les petits manchots, mais également de poissons qu'on appelle les myctophidés, des poissons lanternes, bioluminescents. Et enfin, les céphalopodes sont les proies de prédilection des albatros et aussi de beaucoup de pétrels. Donc, là encore, des proies variées, suivant si vous êtes dans les eaux chaudes, tropicales ou froides, polaires, les proies ne sont pas de même nature. La plupart de ces proies sont consommées par les oiseaux marins en surface. Ce n'est pas très compliqué, on prospecte, on glane, on trouve de la nourriture, on descend, on se l'accapare, mort ou vive d'ailleurs, parce que beaucoup d'oiseaux marins sont des charognards, notamment les grands albatros.
Mais on peut également prélever sa nourriture de manière plus judicieuse, je dirais, lorsqu'on a bien sûr le profil de l'emploi, pardon, c'est de plonger. Vous êtes au courant, bien sûr, que les fous de Bassan qu'on a ici dans l'Atlantique Nord, mais également tous les fous, fous à pied bleu, fous à pattes rouges, sont de grands plongeurs. Ils font leur plongeon à partir de vols aériens, ils repèrent leur proie et ils font des piquets. Donc l'impact est toujours spectaculaire. Ce sont des oiseaux merveilleux à observer, ailes repliées, qui fondent sur leur proie repérée en surface. D'autres oiseaux poursuivent leur proie sous la surface. Donc ils nagent en surface et l'immersion débute posée sur l'eau. C'est classiquement le cas de beaucoup d'alcidés, mais également des cormorans et également de nombreux puffins, qui sont des pétrels très très performants en termes de plongée. On a longtemps pensé que les pétrels ne plongeaient pas. En fait, les puffins plongent très profondément, jusqu'à 50-60 mètres. Donc des oiseaux qui poursuivent leur proie sous l'eau, mais bien sûr, les plus légendaires et les mieux adaptés à ce genre de poursuite sous-marine, ce sont les fameux et les célèbres manchots. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais croyez-moi, les manchots sont des oiseaux extraordinaires qui ont poussé tellement loin l'adaptation qu'ils ont une écologie quasiment de poisson, à ceci près qu'ils doivent fixer l'oxygène de l'atmosphère, malheureusement pour eux. Mais sinon, ils sont profilés pour l'emploi. Et sur cette image, vous avez différentes espèces. Ça a été pris en captivité, manchot adélie, manchot papou, également des gorfous, et ici, bien sûr, c'est le fameux manchot royal. Alors, quelques chiffres pour illustrer les performances de ces oiseaux. D'abord, le plus gros, le plus célèbre aussi, certainement le manchot empereur, c'est le plus performant de tous. Il peut descendre jusqu'à près de 600 mètres, en tout cas 560 mètres. Ce n'est pas un gros problème pour cet oiseau. Au demeurant, il est lourd. C'est sûr que c'est impressionnant, mais quand on est lourd, tout est plus facile. Son cousin, le manchot royal, le suit de près, je dirais même qu'il le talonne, puisque les performances du manchot royal atteignent 360 mètres, donc c'est pas mal. Mais des temps d'apnée plus restreints, 12 minutes, sachez que les empereurs restent jusqu'à 25 minutes sans respirer sous l'eau. Et enfin, les manchots de petite taille, hein, papous, gorfous, etc., eux restent dans les 200 premiers mètres, donc ce sont des plongeurs que je qualifierais de superficiels. Mais vraiment, ces oiseaux sont remarquables et d'ailleurs, ils mériteraient à eux seuls un exposé, nos amis les manchots. Ceci étant, j'aime quand même relativiser les choses parce que lorsqu'on dit que les manchots sont les meilleurs en termes de plongée, c'est vrai. Mais j'attire votre attention sur une chose. Regardez le guillemot de Brunick. Il plonge assez régulièrement à 200 mètres. Ça constitue bien sûr un record. Regardez le mergule nain. Il plonge à 34 mètres. Le puffinure plongeur à 64 mètres. Or, ces oiseaux, regardez le poids d'un puffinure plongeur, 150 grammes. Donc, comparativement à la masse de ces oiseaux, je dirais moi, finalement, qu'un guillemot de Brunick ou qu'un puffinure plongeur est bien plus performant qu'un manchot empereur. Parce que lorsqu'on fait 35 kilos, je dirais que ce n'est pas très compliqué de descendre à 500 mètres. Mais lorsqu'on fait 150 grammes, croyez-moi, descendre à 60 mètres, voire 80 mètres dans le cas des puffinures, c'est bien autre chose. Tous ces oiseaux, bien sûr, ont des sens développés. Alors, je ne vais pas m'attarder sur tous les sens des oiseaux marins, mais sachez que l'essentiel, c'est la vue. Beaucoup d'oiseaux marins, si ce n'est la quasi-totalité, repèrent leur proie par la vue. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, comme les fous, vous le remarquez nettement ici, ont une vision binoculaire assez impressionnante. On croirait même qu'ils louchent. Et cette vision binoculaire leur permet, bien sûr, de repérer leur proie lorsqu'ils volent à la surface avant d'entamer leur piquet dans l'océan. Les manchots également ont une très bonne vision sous-marine. Du reste, ils sont assez pénalisés à terre. Ils ne sont pas très très bons à terre. Ils ont du mal à focaliser à faible distance. Donc, ces oiseaux sont adaptés à la chasse à vue. Sachez cependant que certains d'entre eux, notamment les océanites, qu'on appelait jadis les pétrels tempêtes, et même d'autres pétrels, ont un sens aigu de l'olfaction. Ils sont capables de repérer leur proie à l'odorat. Et on le sait depuis pas très longtemps, on a longtemps, je dirais, sous-estimé le rôle de l'olfaction chez les oiseaux en général et les oiseaux marins en particulier. Or, il y avait quand même des indices qui laissaient à songer que ce sens était développé, car le bulbe olfactif, qui est cette petite structure située à l'avant du cerveau, eh bien ce bulbe olfactif est très développé chez les pétrels, alors que par exemple, il est quasiment inexistant chez les corneilles. Et effectivement, plus le bulbe olfactif est développé, plus le sens de l'olfaction est performant. Et on sait que de nombreux pétrels sont capables de déceler leur source de nourriture à des kilomètres en plein océan. Donc c'est un sens vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer. Même si on savait
bien sûr auparavant que d'autres oiseaux étaient capables de se servir de l'odorat, notamment les kiwis en Nouvelle-Zélande, et bien sûr les vautours. Ça, c'est quelque chose de connu depuis très longtemps. Mais pensez-y maintenant, les oiseaux marins, en tout cas certains d'entre eux, sont capables effectivement de se servir de leur odorat. Alors, l'odorat, la vue, la plongée, tout ça est bien, mais il y a encore autre chose. Et cette autre chose, c'est cette fameuse distance à partir de la côte à laquelle vont prospecter les oiseaux marins. N'est pas oiseau marin qui veut, on peut être performant sous l'eau, mais restreint dans sa zone, je dirais, son périmètre d'alimentation. Donc, les oiseaux marins vont également se disperser suivant un gradient à la côte. Et lorsqu'on est un oiseau marin, on peut être soit côtier, c'est-à-dire passer sa vie finalement près de la côte ou à quelques kilomètres. L'exemple flagrant chez vous, c'est le cormoran huppé, qui est un oiseau côtier qui va pêcher à quelques kilomètres de la côte. Mais également les pélicans, les goélands, les sternes sont souvent des oiseaux qui seront jamais très loin de la côte. On ne va jamais les voir très très loin en haute mer. La deuxième catégorie, ce sont des oiseaux que l'on qualifie de néritiques. Ce sont des oiseaux qui vont pêcher plus loin en mer, mais quasiment toujours au-dessus du fameux plateau continental, très riche d'un point de vue biologique. Donc ce plateau peut être d'extension variable, il peut être jusqu'à 80, voire 100 km, voire même plus que ça au large de Terre-Neuve, mais toujours bien sûr restreint d'un point de vue géographique. Mais déjà, ces oiseaux vont plus loin que les oiseaux côtiers. Et classiquement, ce sont les manchots, en tout cas les petits manchots, comme les papous. Ce sont beaucoup d'alcidés, mais également les fous, et beaucoup de petits alcidés du nord du Pacifique qu'on appelle les stariques. Donc des oiseaux qui vont loin en mer, mais jamais très très loin. Souvent, ils reviennent le soir même à leur colonie, ou alors ils restent 2 ou 3 jours en mer. Enfin, on a vraiment les vagabonds, les marathoniens, ceux qui vont partir très loin en haute mer, qui eux sont les véritables oiseaux marins, je dirais, du large, les oiseaux de la haute mer qu'on appelle les espèces océaniques ou alors pélagiques dans certains ouvrages. Et ces oiseaux, bien sûr, classiquement, ce sont quoi? Ce sont les fameux albatros. C'est le manchot royal qui peut aller jusqu'à 1 500 km de son nid pour trouver son alimentation, de sa colonie, pardon, puisqu'il n'a pas de nid, mais également les puffins et les pétrels, et aussi les phaétons sous les tropiques. Donc on a ici affaire aux marathoniens qui vont se disperser très très loin de leur colonie, et on connaît aujourd'hui, on mesure beaucoup mieux l'ampleur de leur déplacement, parce qu'on a l'outil technologique, on a des balises argos suffisamment petites pour être placées sur le dos de ces oiseaux, ici une mouette de Ross dans le nord du Canada. On a même des appareils qu'on appelle des géolocateurs, qui sont des petits appareils qui permettent de définir la position des oiseaux en étudiant, en enregistrant l'intensité lumineuse. Ça coûte très peu cher et ça marche très bien. Donc on peut aujourd'hui suivre le déplacement de ces oiseaux marins. Et sachez que les premiers oiseaux marins à être équipés d'une balise Argos l'ont été dans des îles subantarctiques françaises, les îles Crozet. C'était il y a quelques années, en 1989. J'étais alors un jeune étudiant et 6 oiseaux ont été équipés d'une balise Argos. C'était une grande première à l'époque parce que ces balises étaient très grosses, mais ces oiseaux étant énormes, ils pouvaient supporter le poids de cette charge et partir au cours de leur long voyage équipés de ces balises. Et les résultats ont été étonnants. Peut-être êtes-vous au courant de ces parcours, mais voilà le trajet d'un mâle donc équipé en juin 1989. Il est parti des îles Crozet. Il a fait une boucle de 15 000 km en 23 jours pour retourner, bien sûr, sur son nid. Donc 15 000 km en 23 jours, c'est énorme. C'est même époustouflant. Cet oiseau a quasiment gagné le sud de l'Argentine ici. Il est passé sous la Géorgie du Sud et les Falklands. Et il est reparti ensuite à la faveur des vents d'ouest pour retourner aux îles Crozet. Donc c'est énorme et ça vous laisse présager des facultés de ces oiseaux. Ça laisse tout simplement songeur. Ceci étant, ces oiseaux sont performants, ils vont très loin, ils sont très résistants, ils sont parfaitement adaptés à la vie en mer, mais il y a une contrainte majeure. Une contrainte majeure, c'est qu'il faut absolument qu'ils reviennent à terre pour se reproduire. À ce jour, aucun oiseau marin n'est capable de se reproduire en pleine mer. Ce que font les dauphins et les cétacés, les baleines, les oiseaux ne sont pas encore capables de le faire. On en reparlera parce que, il peut y avoir des scénarios de science-fiction qui peuvent être développés, notamment au niveau des manchots. Mais aujourd'hui, la contrainte majeure lorsqu'on est un oiseau marin, c'est de revenir à terre pour se reproduire. Et ça, croyez-moi, c'est une contrainte majeure parce que ça force les oiseaux à faire des allers-retours entre la mer, bien sûr, et la colonie. Et lorsque ces oiseaux reviennent à terre, c'est jamais tout seul. En tout cas, c'est souvent
en nombre très conséquent parce que la colonialité, c'est une autre caractéristique des oiseaux marins. On revient se reproduire en groupe. Songez que 95% des oiseaux marins sont coloniaux, alors que seulement 12 à 13% des oiseaux terrestres montrent cette tendance à la colonialité. Donc il y a vraiment une raison. Il y a des pressions de sélection qui favorisent le regroupement de ces oiseaux et c'est assez obscur les véritables raisons. Ça peut être lié à la prédation, on est plus fort nombreux, ça peut être lié à la stimulation sociale, ça peut être lié à beaucoup de choses, ça peut être lié aussi à l'échange d'informations. On peut échanger des informations lorsqu'on est colonial, on peut échanger des informations sur les endroits où il y a beaucoup de nourriture dans l'océan, on peut suivre des bons pêcheurs au départ de la colonie. Bref, c'est un débat très stimulant en biologie évolutive, il n'y a pas de réponse toute faite. Et une des raisons également qui explique la colonialité, elle est très simple, c'est que parfois, il y a des rochers au milieu de nulle part et c'est le seul endroit où on peut nicher. Donc tout le monde va sur le même rocher. Ici, c'est le rocher de Shagrock entre la Géorgie du Sud et les îles Malouines. Une colonie immense de cormorans a trouvé refuge sur ce rocher parce qu'il n'y a pas d'île à des kilomètres à la ronde. Donc la colonialité, dans ce cas, est de facto, on va sur ces îles parce qu'il n'y a aucun endroit propice ailleurs. Les fous de bassin dans l'Atlantique Nord se regroupent souvent au sommet des îles plates parce que ce genre de relief est assez rare. Donc forcément, ces oiseaux ont tendance à se regrouper et à avoir des colonies de plusieurs milliers d'individus. Alors cette tendance à la colonialité, c'est un sujet, je répète, très stimulant. Pourquoi les oiseaux marins sont coloniaux, on pourra en débattre, mais sachez que certaines colonies sont vraiment extraordinaires. J'ai eu la chance de me rendre plusieurs fois dans l'archipel des Sandwich du Sud, qui est un archipel volcanique en Antarctique, et sur certains de ces volcans, notamment ici Zawodowski, il y a des colonies, notamment une colonie qui fait 1 million de coupes, donc 2 millions de manchots à jugulaires sur une seule île, donc une seule colonie, la ville de Lyon, on va dire, rassemblée sur cette île volcanique. Donc c'est un spectacle inoubliable lorsqu'on est un amateur d'oiseaux. Et ces manchots à jugulaires, en plus, sont très sympathiques à observer. Et le paysage de cendres volcaniques de cette île Zawodowski, c'est quelque chose d'unique dans le sud de l'océan Austral. Alors, lorsque ces oiseaux reviennent à terre, ils sont, je l'ai dit, coloniaux. Mais il y a d'autres choses qui font, à mon avis, des oiseaux marins des oiseaux si intéressants, c'est leur démographie. Lorsqu'on est un oiseau marin, on fait tout lentement. On ne fait rien comme les autres oiseaux. Et lorsqu'on parle démographie, on parle de trois paramètres essentiels que sont d'abord la fécondité. Lorsqu'on est un oiseau marin, on a une faible fécondité. Je vais y revenir. On parle également de maturité sexuelle différée dans le cas des oiseaux marins. On se reproduit après une longue période d'adolescence, une longue période d'immaturité sexuelle. Et enfin, le troisième volet très important de cette démographie, c'est la longévité. Lorsqu'on est un oiseau marin, on a souvent une très forte survie adulte. Donc ces trois paramètres sont vraiment caractéristiques des oiseaux marins. Pas uniquement d'ailleurs, les grands vautours montrent le même type de paramètres démographiques, mais dans le cas des oiseaux marins, c'est particulièrement évident. Donc une faible fécondité, la fécondité, vous savez, on la mesure souvent au nombre d'œufs pondus dans la ponte. Et il se trouve que beaucoup d'oiseaux marins, pas tous, mais beaucoup d'oiseaux marins ne pondent qu'un seul œuf. Donc la femelle va pondre un seul œuf, et si cet œuf est détruit, il n'y aura pas de ponte de remplacement, parce que c'est beaucoup trop coûteux de fabriquer un œuf lorsqu'on est un oiseau marin. Et je l'ai dit, beaucoup d'espèces pondent un œuf. C'est le cas de tous les albatros et de tous les pétrels. Il n'y a aucun pétrel et aucun albatros qui pond plus d'un œuf. Ça n'existe pas. Mais également les phaétons pondent un seul œuf. Les frégates également, et deux manchots, qui sont comme par hasard les deux plus gros, le manchot empereur et le manchot royal, pondent également un œuf unique. Lorsque les oiseaux marins pondent plusieurs œufs, c'est jamais plus de deux ou trois, voire quatre au maximum. Allez, cinq, on va dire, chez certains cormorans, mais la moyenne, c'est plus de deux ou trois. Donc toujours une fécondité très, très faible. Comparer ça aux mésanges ou aux rouges-gorges qui pondent 10 ou 12 œufs, c'est vraiment ridicule. Enfin, lorsqu'on parle de fécondité, il faut également parler de fréquence de reproduction. Et une chose très intéressante, certains oiseaux marins, ils ne sont pas nombreux, il est vrai, ont une reproduction dite biennale, c'est-à-dire qu'ils vont ne se reproduire que tous les 2 ans s'ils sont parvenus à élever un poussin avec succès. C'est le cas de certains albatros, c'est le cas de
de certaines frégates, mais également de certains pétrels, comme le pétrel à tête blanche. Donc un poussin, mais en plus, tous les 2 ans. Donc on comprend que cette fécondité est vraiment très très basse et très particulière. Parlons de cette fameuse maturité sexuelle différée, cette période adolescente si caractéristique. Là encore, on a des chiffres assez ahurissants. Les manchots empereurs, par exemple, en moyenne, 5 ans avant de se reproduire, 9 ans pour les albatros hurleurs. Donc toute cette période, c'est une période d'apprentissage, une période d'adolescence où les oiseaux vont s'aguerrir. Souvent, ils ne vont même pas revenir à terre, du reste, ils vont rester en mer. Et lorsqu'ils seront matures, effectivement, ils vont s'engager dans un cycle reproducteur. Et là encore, quel contraste avec les oiseaux de vos jardins qui parfois se reproduisent dès leur première année. Enfin, le troisième paramètre démographique qui fait l'originalité des oiseaux marins, je l'ai dit, c'est leur longévité. Les oiseaux marins vivent en général plus vieux que les autres oiseaux. Ici, j'ai mis des chiffres moyens, donc des longévités moyennes, 34 ans pour l'albatros sur l'heure. Les pétrels, en général, aux alentours de 26 ans, ce sont donc des longévités moyennes. Mais lorsqu'on parle, bien sûr, des oiseaux les plus vieux de la population, on sait, grâce aux méthodes de capture-recapture donc des grands albatros, que les plus vieux ont 80 ans. C'est un peu les Jeanne Calment, bien sûr, des grands albatros. Et on sait pour sûr, aujourd'hui, on la connaît, qu'une femelle albatros de Laysan, qui niche donc à Hawaï, a 63 ans. Elle a été baguée poussin, donc on sait son âge avec certitude. Elle a été baguée et elle revient donc chaque année élever son poussin et elle a 63 ans. Et elle a survécu miraculeusement au tsunami de 2011, le fameux tsunami qui a ravagé les côtes de l'île Hawaï. Beaucoup d'albatros sont morts, mais elle a survécu. Elle a changé 3 fois de partenaire. Ils sont morts les 2 avant et elle continue à venir élever son poussin à l'âge de 63 ans. Alors, tout ça pour vous dire que cette stratégie démographique des oiseaux marins, en tout cas des plus grands d'entre eux, est très particulière. Je compare ici, par exemple, les albatros hurleurs, qui sont vraiment les extrêmes, avec les astrildes ondulés, qui sont des petits oiseaux, des petits passereaux du désert australien. Les grands albatros, bien sûr, vivent en pleine mer, un environnement difficile mais prévisible. Des ressources dispersées, océaniques, à grande échelle, mais finalement pas beaucoup à manger, mais assez prévisible dans le temps. Inversement, l'astrilde ondulée, un petit oiseau qui vit dans le désert. Quand il ne pleut pas, c'est la famine. Quand il pleut, c'est l'abondance. Donc un milieu vraiment imprévisible. Le grand albatros a une reproduction biennale tous les 2 ans quand il parvient à élever un poussin, alors que l'astrilde ondulée, les bonnes années où il a bien plu, jusqu'à 5 tentatives par an. Un seul œuf et 80 jours d'incubation pour le grand albatros, jusqu'à 10 œufs et seulement 12 jours d'incubation pour l'astrilde ondulée. Enfin, 9 mois d'élevage pour finir l'élevage du poussin chez le grand albatros, à peine 14 jours c'est l'astrilde ondulée, et une maturité sexuelle tardive aux alentours de 9 ans en moyenne, le maximum étant 22 ans, alors que les astrildes ondulées sont capables de se reproduire à 3 mois. Donc vous voyez qu'on parle ici vraiment de stratégies démographiques complètement différentes, des stratèges qui misent sur la lenteur, ce sont nos oiseaux marins, et des stratèges qui misent sur la rapidité, ce sont ces petits oiseaux des milieux imprévisibles que sont les astrildes des déserts australiens. Enfin, lorsqu'on parle de longévité, bien sûr, on l'a dit, les albatros peuvent théoriquement atteindre l'âge respectable de 80 ans dans le cadre des albatros sur l'heure, alors que ces petits astrildes, c'est si coûteux d'un point de vue énergétique de faire toutes ces portées par an qu'au maximum, ils vont vivre 5 ans, 3 ans en moyenne. Donc des stratégies, je le répète, complètement différentes, mais qui aboutissent finalement à peu près au même résultat. Et là, je fais une petite parenthèse en vous disant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, avant la révolution du néolithique, avant l'invention de l'agriculture, nos ancêtres avaient une démographie comparable à beaucoup d'oiseaux marins. À l'époque, rappelez-vous, on vivait 30-35 ans. Les femmes devaient avoir leur premier enfant vers 12 ans, tous les 2 ou 3 ans. Donc finalement, la démographie des hommes des cavernes était comparable à la démographie des manchots royaux, voire des grands albatros. Enfin, quelques mots sur quelque chose de très intéressant. Les systèmes reproductifs des oiseaux marins valent également le détour parce que les oiseaux marins ont 2 caractéristiques qu'ils partagent avec d'autres oiseaux, comme les vautours encore. C'est un système reproductif basé sur la monogamie, un seul partenaire sexuel officiellement, et une fidélité au partenaire quasiment toute la vie durant pour de nombreux
groupe d'oiseaux marins. Et là encore, quel contraste avec beaucoup d'oiseaux que l'on a dans nos jardins, voire des oiseaux des savanes africaines comme les veuves, qui sont souvent polygames, qui ont beaucoup de partenaires sexuels et qui ne témoignent d'aucune fidélité au partenaire. On change de partenaire à tout va, on ne vit pas longtemps et on maximise bien sûr l'effort reproductif. Ce n'est pas le cas des oiseaux marins, on a un seul partenaire officiel et on élabore bien sûr des parades souvent très complexes lors des mises en couple parce qu'il s'agit bien sûr de choisir le bon partenaire et de ne pas se tromper. Et pour ce faire, bien sûr, les colorations sont très importantes. Rappelez-vous, je vous parlais de coloration noir et blanche. Et voici maintenant que je vous parle de couleurs pour la séduction. Oui, parce que les couleurs des oiseaux marins se concentrent toujours, ou en tout cas essentiellement, au niveau de la tête. C'est ce qu'on appelle les colorations céphaliques. Le corps est noir et blanc très souvent, pour des vertus de camouflage. Mais lorsqu'on doit séduire son partenaire, c'est au niveau de la tête souvent que ça se passe. Et ces colorations dites céphaliques sont des marqueurs spécifiques. On reconnaît un individu de sa propre espèce par les colorations céphaliques. Ce sont des barrières d'isolement reproductif. Et donc, en fin de compte, les oiseaux ont ces colorations uniquement à l'âge adulte. Lorsqu'ils sont immatures, ils n'ont pas vocation à être colorés puisqu'ils n'ont pas vocation à se reproduire. Et le cas le plus flagrant, ce sont les 17 espèces de manchots. Toutes les colorations céphaliques des manchots sont différentes. Donc, un manchot ne peut pas confondre un partenaire d'une autre espèce uniquement en regardant les colorations céphaliques. Ajoutez à cela les vocalisations et le tour est joué. Il y a vraiment ce qu'on appelle une barrière d'isolement reproductif au sens, bien sûr, de Dobzhansky. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, chez les oiseaux marins, parce qu'habituellement, il n'y a pas de dichromatisme sexuel, pas de différence de couleur entre mâle et femelle. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Une exception notable, ce sont les frégates. Rappelez-vous que les frégates ont ce qu'on appelle un caractère sexuel secondaire très particulier. Les mâles ont cette fameuse poche rouge gonflable qu'ils vont gonfler comme un ballon de baudruche. Et là encore, c'est pour séduire bien sûr ces dames, pour séduire les femelles qui vont passer en vol. Et souvent, les mâles vont se rassembler en groupe, on appelle ça des lecs. Ils vont parader ensemble et les femelles vont les survoler et choisir bien sûr le candidat, l'élu de leur cœur. Donc c'est un système très particulier, propre aux frégates. Quand je vous dis qu'il n'y a que les têtes qui sont colorées, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez sans doute remarqué que certains oiseaux marins ont les pattes également très colorées. Et les pattes, parfois, ont un rôle actif dans la séduction et la formation des couples. On sait, par exemple, que certaines espèces, comme le fou à pied bleu au Galapagos, se sert bien sûr de ses pattes lors de ses parades. Les mâles, notamment, vont exhiber leurs pattes d'une manière très nonchalante, vont les lever de manière exagérée pour séduire les femelles. Et les femelles vont juger effectivement de la coloration de ces pattes. Et si elles sont vraiment vivement colorées, elles vont souvent choisir l'élu de leur cœur. Et là, j'en viens à un sujet très stimulant, là encore, en biologie évolutive. Comment les femelles exercent leur choix? Comment choisissent-elles un mâle parmi tant d'autres? Sur quels critères basent-elles leur choix? Et justement, la couleur est essentielle. Parce que la couleur, souvent, révèle la qualité de l'individu. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Ça coûte de l'énergie et ça coûte beaucoup à un oiseau de fabriquer des pigments. Et quand on a un plumage très coloré, très brillant, c'est une preuve que vous êtes en mesure d'élaborer ces pigments et que vous êtes en bonne santé. Et on sait, par exemple, que chez beaucoup d'oiseaux, l'éclat du plumage est révélatrice de la vigueur du système immunitaire. En gros, si vous avez un système immunitaire défaillant, vous n'êtes pas en mesure de synthétiser des pigments qui vont donner un plumage brillant. Donc on sait par exemple que chez le manchot royal, l'éclat des colorations céphaliques révèle la qualité du système immunitaire des prétendants. On le sait également chez le cormoran de Guémard et on le sait effectivement chez beaucoup de petits oiseaux de nos jardins. Donc l'éclat du plumage va être un facteur utilisé par les prétendants pour se jauger. Ajouté à l'éclat du plumage, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires qui sont souvent des plumes exagérément développées. On a par exemple chez l'hirondelle de cheminée ces fameuses rectrices externes qui sont très développées chez les mâles. Et on sait aujourd'hui que les femelles apprécient notoirement les mâles qui ont des rectrices très longues, mais surtout symétriques. Parce que là encore, c'est très difficile de synthétiser des plumes symétriques si on n'est pas en bonne santé. Donc, la longueur des plumes et leur symétrie, ce sont deux facteurs que les femelles vont utiliser. Et ça marche également chez les oiseaux marins. Les moustaches de cette sterninka, si elles sont très longues et symétriques,
eh bien, ça va plaire notamment aux femelles. Les aigrettes de ce gorfou sauteur subtropical, l'éclat de leur couleur et surtout la longueur et la symétrie de ses plumes également est un facteur qui va conditionner le choix de ces dames. Et enfin, les aigrettes si particulières de ces Staric cristatelles du nord du Pacifique également sont un caractère sexuel secondaire très utile lors de la séduction. Et enfin, on sait que certaines femelles regardent attentivement l'âge du prétendant. Parce que l'âge est un signe d'expérience. Lorsqu'on s'accouple avec un mâle âgé, on a des chances d'avoir un mâle expérimenté qui va pouvoir assumer la reproduction de manière bien plus efficace. Et on sait que chez l'albatros hurleur, les femelles sont capables de jauger l'âge du prétendant, tout simplement parce que les mâles deviennent blancs avec l'âge. Plus un mâle est blanc, plus il est âgé. Mais c'est bien plus subtil que cela parce qu'une femelle n'a pas intérêt à se mettre en couple avec un très vieux parce qu'un très vieux mâle va mourir bientôt. Donc elle va être veuve tôt ou tard et donc elle va prendre beaucoup de temps et d'énergie à retrouver un autre mâle. Donc les femelles d'albatros sont bien plus malines. Elles choisissent des mâles âgés mais pas trop. Donc il y a une cohorte de reproducteurs qui a leur faveur. Ce sont des mâles jeunes mais pas trop avec de l'expérience. Et on sait aujourd'hui que ces femelles sont très sélectives en matière du choix du partenaire. Et enfin, on peut choisir son partenaire sur des qualités, je dirais de l'efficacité dans la recherche de nourriture. Sachez que les partenaires vont avoir en charge des poussins à élever. Et donc, si vous choisissez un mâle efficace, vous avez des chances que ce même mâle ramène beaucoup de proies à votre progéniture. Et on sait que lors des parades, par exemple, les sternes ramènent des poissons à leurs prétendantes. Et la fréquence avec laquelle vous ramenez des poissons et la taille des poissons que vous ramenez sont certainement des critères pris en compte par les femelles qui vont délaisser les mauvais pêcheurs au profit, bien sûr, des pêcheurs aguerris. Donc tout ceci rentre dans ce qu'on appelle la sélection du partenaire, qui est bien sûr un domaine très, très stimulant, là encore, en biologie évolutive. Mais ce qui est sûr, c'est que le choix du partenaire ne se fait quasiment jamais sur la beauté et la complexité du nid, comme ça peut être le cas chez des oiseaux terrestres comme les tisserins ou les oiseaux jardiniers en Australie. Et pour une simple raison, c'est que le nid des oiseaux marins est vraiment très simple. Souvent, il est même réduit à sa plus simple expression. Dans le meilleur des cas, c'est un amas de brindilles, dans le cas des fous ou des frégates. Parfois, c'est juste une dépression dans le sol, dans le cas de nombreux fous, voire des sternes. Il y a même des sternes, comme la sterne blanche, la gygis blanc, qui pond son œuf sur une branche d'arbre. Donc, il n'y a pas de nid du tout. Et vous savez aussi que des oiseaux comme les manchots royaux ou les manchots empereurs n'ont pas de nid. Ils pondent leurs œufs sur leurs pattes. Alors, c'est parmi les albatros et les cormorants, en fait, qu'il faut chercher les nids les plus complexes. Alors, ils ne sont pas complexes dans leur structure, ils sont simples. Simplement, à force d'être réaménagés année après année, ils finissent par être très gros. Mais là encore, le nid n'est pas du tout un critère de choix du partenaire, alors que c'est le cas parfois chez des espèces terrestres. Alors, ces nids, au sein de la colonie, sont très individualisés. Le nid, en fait, c'est le seul territoire qu'a un oiseau marin. Un oiseau marin, bien sûr, ne défend pas de territoire alimentaire. C'est impossible de défendre un territoire alimentaire en pleine mer. Donc, le seul territoire qu'il va défendre, c'est la place au sein de sa colonie. Et j'aime à dire, et c'est sujet à débat, mais je le revendique, j'aime à dire que les oiseaux marins sont coloniaux, mais ils ne sont pas vraiment sociaux. C'est une chose complètement différente. Ils se regroupent ensemble, ils nichent ensemble, mais chacun pour soi. Il n'y a pas d'altruisme, ou quasiment pas. Un petit, s'il est abandonné par ses parents, ne sera pas pris en charge par un autre couple. On vit ensemble parce que ça nous arrange. On est certainement plus fort contre les prédateurs, mais on ne s'occupe absolument pas de son voisin. Pire, il faut que le voisin reste à distance respectable parce qu'il y a des conflits intenses entre reproducteurs au sein de la colonie. Donc, ce n'est pas harmonieux du tout, une colonie d'oiseaux marins. Ce n'est pas du tout un milieu harmonieux. Et cette promiscuité engendre des choses très intéressantes pour les biologistes, engendre notamment une propension marquée à ce qu'on appelle les relations extra-conjugales. Rappelez-vous que je vous ai dit que les oiseaux marins sont fidèles, mais ça c'est dans les livres, ça c'est dans le principe. Officiellement, ils le sont, mais lorsque les partenaires peuvent se tromper, ils le font. Ils le font d'ailleurs allègrement. Et c'est une partie de cache-cache parce que le tout c'est de le faire sans être surpris. Et on sait, par exemple, chez les manchots édélis, que les mâles sollicitent des copulations extra-conjugales avec des femelles volages en leur offrant des cailloux que celles-ci vont accepter pour améliorer leur nid. Donc, on accepte l'acte sexuel en échange d'un cadeau, en l'occurrence,
un caillou lorsqu'on est un manchot à Delhi. Chez nous, c'est plutôt des pierres précieuses, mais en tout cas, chez les manchots, des cailloux font l'affaire et on sait effectivement que ça marche assez bien. Alors, pensez que les femelles ont tout intérêt à solliciter ces copulations extra-conjugales parce que c'est une garantie de plus d'être fécondées. Les femelles ont encore plus intérêt à solliciter des copulations extra-conjugales parce qu'ils pourront être éventuellement les pères de poussins dont ils n'auront pas la charge. Par contre, si le mâle est trompé, c'est le dindon de la farce parce qu'il va élever des poussins qui ne sont pas les siens. Donc il faut vraiment se surveiller constamment. Et la colonie, c'est dangereux pour ça parce que c'est un lieu de promiscuité. Et on sait aujourd'hui que les chiffres sont assez ahurissants puisqu'on a longtemps parlé des albatros, par exemple, comme des modèles, je dirais, de vie conjugale, une fidélité à toute épreuve, on s'aime pour la vie. Sauf que chez l'albatros des Galapagos, jusqu'à 25% des poussins sont illégitimes. C'est-à-dire que 25% des mâles élèvent des poussins qui ne sont pas les leurs, parce que les femelles ont eu des relations sexuelles avec d'autres mâles, en cachette bien sûr. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même assez importants et dont on n'avait pas présagé bien sûr de l'existence avant l'avènement de l'outil génétique pour bien sûr étudier cela de près. Songez que le grand albatros aux îles Crozet, là encore, vertu de conjugalité, un grand albatros sur 10 n'est pas le père du poussin qu'il élève. Donc ceci explique aussi pourquoi la fréquence des copulations est si importante. Les mâles ont besoin de copuler très souvent avec leur partenaire parce que c'est simplement un gage de paternité. Qui dit que cette femelle n'est pas partie copuler avec un autre mâle volage? Donc il faut copuler fréquemment parce que, excusez-moi du terme, mais souvent le dernier qui a parlé a raison. Donc le dernier qui passe a plus de chances, bien sûr, de féconder l'œuf dans sa descente de l'oviduc. Donc, ça explique la frénésie souvent que montrent certaines espèces. Les pingouins tordas sont les plus boulimiques en termes de copulation. Les mâles sont frénétiques, tout simplement parce que le risque de copulation extra-conjugale dans ces colonies est très important. Alors, bien sûr, vient après la ponte. La ponte est un moment très important pour les oiseaux marins, comme pour tout oiseau, mais songez que le coût énergétique de la fabrication d'un œuf pour un oiseau marin est vraiment, vraiment important, puisque l'œuf représente jusqu'à 25% du poids de la femelle, dans le cas des petits océanides, donc les pétrels tempêtes. Un peu moins chez les manchots, mais 25% du poids, ça voudrait, pour vous donner une ordre d'idée, c'est comme si une femme de 60-65 kg accouchait d'un bébé de 15 kg, donc c'est énorme. Donc c'est une débauche d'énergie énorme, ce qui explique un seul œuf, souvent, c'est déjà assez pour tous ces oiseaux. Sachez pour information que le record est détenu par les kiwis, 27% du poids de l'adulte. Regardez un petit peu la place de l'œuf dans la cavité générale. C'est énorme. Et les oiseaux marins, c'est un peu ça. Donc c'est une débauche d'énergie énorme. Et bien sûr, cet œuf est chéri. Cet œuf, c'est un trésor, surtout quand c'est un œuf unique. Il est couvé, bien sûr, à la faveur de cette fameuse plaque incubatrice qui est la zone dégarnie de plumes. On voit ici la vascularité de la peau qui va donc, bien sûr, transférer la chaleur à l'embryon. Mais c'est assez curieux, mais certains oiseaux marins, notamment les pélicaniformes, donc les frégates, les pélicans, les cormorans et les fous, n'ont pas de plaque incubatrice. Ce n'est pas très grave, je vous dirais, parce que ces oiseaux sont souvent tropicaux, donc il n'y a pas vraiment besoin de réchauffer l'œuf, il y a plutôt besoin de le rafraîchir. C'est pour ça que les oiseaux vont utiliser leur corps pour faire de l'ombre. Et lorsqu'il va falloir réchauffer l'œuf, ils vont les réchauffer à la faveur de leur palmure. Mais rappelez-vous, pas de plaque incubatrice chez les fous, les cormorants, les frégates ou les pélicans. Mais en tout état de cause, cet œuf, je l'ai dit, est chéri par les deux partenaires. Et les deux partenaires, bien sûr, vont se relever. Pensez qu'un oiseau marin est fidèle, donc en théorie, il est monogame, mais surtout, il coopère. Mâles et femelles vont coopérer pendant toutes les étapes de la reproduction. J'entends souvent, lorsque j'encadre des gens lors de voyages ornithologiques, parler de femelles lorsqu'elles nourrissent le poussin, parler de femelles lorsque l'oiseau est sur l'œuf. Pas du tout. C'est 50-50. Les mâles et les femelles se relaient pour réchauffer l'œuf et se relaient pour élever le poussin. Alors, bien sûr, il y a une exception notable, et vous le savez, le manchot empereur. Uniquement les mâles sont en charge de l'incubation. Pendant un peu plus de 60 jours, les mâles vont rester immobiles sur la banquise, à couver l'œuf unique sur leurs pattes. Les femelles, pendant ce temps, sont en mer, parties s'alimenter. Donc c'est un des rares cas où l'incubation est liée à un sexe uniquement. Autrement, l'incubation, bien sûr, est le fait à la fois de la femelle et du mâle. Et en gros, cette durée d'incubation est très variable. Elle va être relativement courte, de l'ordre d'un mois à un mois et demi,
pour les petites espèces que sont les goélands, les sternes et les petits manchots. Elle va être un peu plus longue pour les espèces de taille plus importante. Je parle des fous et des frégates, jusqu'à 2 mois. Et finalement, pour les espèces imposantes que sont les grands albatros, ça va pouvoir atteindre des valeurs de l'ordre de 80 jours. Donc, des périodes d'incubation différentes suivant la taille tout simplement des oiseaux. Et lorsque le petit naît, eh bien, le petit naît suivant des stades très différents. Il peut être complètement nu et aveugle, et pas très beau du reste lorsque c'est un pélicaniforme, donc un pélican, une frégate, un cormoran, aveugle et glabre, donc pas très armé pour survivre dans la vie. Le stade supérieur, c'est les manchots. Ils sont aveugles à la naissance, mais couverts d'un duvet. Ça s'explique dans les régions froides. C'est plus intelligent, bien sûr, d'être couvert d'un duvet. Et finalement, le troisième stade de développement qui caractérise les goélands et les sternes, eux, ils naissent les yeux ouverts, couverts de duvet, et au bout de quelques heures, ils sont capables de marcher sur le dos de leurs parents. Donc, ce sont des oiseaux très précoces. Mais gardez en mémoire ces trois stades de développement qui caractérisent les oiseaux marins. Alors, bien sûr, que l'on soit un petit pélican, que l'on soit un petit goéland ou un petit manchot, on a toujours besoin de ses parents pendant les premiers jours de ton existence pour assurer chaleur et protection. Alors c'est sûr que dans la région polaire, à l'image de ce squat, de ce lab, on a vraiment besoin de ses parents pour se réchauffer, mais c'est valable également sous les tropiques. Un petit oiseau marin n'est pas capable d'assurer sa thermorégulation. C'est un vertébré homéotherme, il a besoin de garder sa température à un niveau constant, et pour ce faire, il lui faut la chaleur de l'un de ses parents pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ajoutez à cela le risque des prédateurs. Tout ça pour vous dire qu'un des parents, bien sûr, va devoir rester sur le nid. Et là encore, on a ce qu'on appelle une coopération. Un parent reste sur le nid pendant que l'autre part en mer pour s'alimenter et ramener, bien sûr, de la nourriture à son poussin. Donc on a vraiment une coopération. Et évidemment, le temps de séjour sur le nid dépend de l'espèce. Vous imaginez bien qu'une espèce côtière va rester quelques heures avant d'être relevée par son partenaire. Un grand albatros va rester parfois plusieurs semaines sur son nid avant d'avoir la relève de son partenaire. Alors, c'est très important parce que le partenaire parti en mer, évidemment, ramène des proies. Et chez ces espèces côtières qui ont des petits voyages alimentaires, les proies sont ramenées entières dans le bec. Les macareux sont caractéristiques de ces proies entassés dans le bec, mais les sternes également, les guillemots aussi, et les pélicans ramènent des proies également dans leur poche, mais des proies fraîches et entières. En revanche, les albatros ou les manchots royaux, qui sont des vagabonds des océans, rappelez-vous, 1 500 km parfois pour un manchot royal, 15 000 km pour un albatros hurleur, il est hors de question de ramener des proies entières et dans un relatif état de fraîcheur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on délivre une bouillie à son poussin. Et cette bouillie, c'est même de l'huile concentrée, synthétisée dans le proventricule des albatros et des pétrels. Bref, un concentré d'énergie élaboré après des séjours en mer qui s'étalent sur 15 jours ou 3 semaines. Donc, des stratégies très différentes lorsqu'on est un oiseau côtier ou lorsqu'on est un oiseau pélagique, océanique, qui va s'alimenter très loin en haute mer. Alors, bien souvent, lorsque on a affaire à des oiseaux qui pondent plusieurs œufs, c'est le cas des petits manchots, par exemple, ou des fous, on a une différence de taille notable entre les poussins d'une même couvée. Et ça, c'est dû à un phénomène très simple, c'est que la couvaison débute dès la ponte du premier œuf. Donc forcément, le premier œuf pondu éclôt en premier, et le petit donc a un jour ou deux de plus que son cadet. Et comme les parents ne distribuent pas la nourriture de manière équitable, eh bien, ils s'en ressentent au bout d'un moment une différence sensible de taille, et le plus petit souvent meurt en cas de pénurie alimentaire. Et donc ça s'explique très bien d'un point de vue de l'évolution, parce que ce serait idiot pour les parents de vouloir faire en sorte que les deux survivent s'il n'y a pas assez à manger. Donc c'est le plus fort, le plus vaillant et le plus grand qui survit. S'il y a à manger pour tout le monde, tant mieux. Sinon, tant pis, c'est la dure loi de la sélection naturelle. Alors, chez les fous, en tout cas chez certains fous, notamment le fou de Grant et le fou de Nazca, le fou masqué, pardon, il se passe quelque chose de très très spécial, qui est même assez triste. Lorsqu'on envisage ça avec les yeux d'un humain, c'est ce qu'on appelle le siblicide. On a ici affaire à une situation où l'aîné va tuer systématiquement son cadet. Et il va le tuer d'une manière très simple, il va le pousser hors du nid, comme sur cette image ici. Le plus gros, donc aîné en premier et plus fort, pousse son cadet et celui-ci va mourir donc par exposition au soleil. Et le parent va surtout constater ce crime sans agir. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le cas de ces espèces, le deuxième poussin, c'est juste un filet de sécurité.
Ils ne sont pas armés absolument pas pour élever deux poussins. Un seul, c'est déjà bien trop. Donc, ils vont laisser faire parce que ce crime, ce ciblicide, va sauver finalement le plus grand de ces deux poussins. Alors, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'altruisme chez les oiseaux marins. Le petit poussin ne va pas être adopté par un autre couple, ça n'existe pas. Pire, un oiseau marin ne va donner à manger qu'à son petit. C'est très compréhensible parce que ça coûte beaucoup d'énergie d'aller en mer, beaucoup d'énergie de ramener de la nourriture, donc c'est idiot de nourrir un poussin qui n'est pas affilié d'un point de vue génétique. Et donc c'est très important pour un oiseau marin de reconnaître son petit dans la colonie. Et c'est d'autant plus important lorsque vous êtes un manchot sans nid, sans point de rendez-vous. Parce que lorsque vous avez un nid, c'est facile de trouver votre poussin, mais lorsqu'il n'y a pas de nid, les choses se complexent. En plus, tous les poussins se ressemblent. Donc la seule façon de reconnaître votre poussin, c'est le cri, les vocalisations. Et c'est très important, vous voyez cette image où les deux adultes crient, lancent leur cri dans le ciel, ils attendent que les poussins répondent. Et c'est seulement lorsqu'ils seront sûrs que ces poussins sont bien les leurs qu'ils vont donner à manger. Ils ont passé 15 jours en mer, il est hors de question de se tromper et de donner à manger un poussin qui n'est pas le sien. Oui, la colonie, ce n'est pas un endroit très harmonieux. Il ne fait pas forcément bon vivre dans une colonie d'oiseaux marins. Si vous n'êtes pas nourri par vos parents, vous mourrez, bien sûr, de manière invariable. Alors, les repas délivrés aux poussins ne sont pas un modèle de diététique. Et parfois, ça arrive notamment chez les manchots et les albatros, parfois, les petits deviennent beaucoup plus gros que leurs parents en fin d'élevage parce que cette nourriture, notamment dans le cas des albatros, est concentrée en lipides et forcément la balance énergétique est largement positive. Et donc ces poussins dodus sont énormes, ils sont obèses. Souvent, les poussins d'oiseaux marins finissent obèses. Alors, on a longtemps pensé que c'était une espèce d'aberration, mais finalement, on comprend très bien aujourd'hui que cette obésité passagère a une valeur adaptative parce que bien souvent, ces poussins sont délaissés en fin d'élevage par leurs parents qui vont partir en mer, vaquer à leurs occupations, et les poussins vont subir de longues périodes de jeûne en fin d'élevage. Et grâce à ces réserves adipeuses, ils vont pouvoir survivre avant de partir en mer, bien sûr, vivre leur émancipation. Donc ça se justifie d'un point de vue d'évolution, cette obésité passagère de certains oiseaux marins se justifie par cette période de jeûne prolongée. Donc rapidement, pour vous dire que cet élevage du jeûne, là encore, est variable suivant les espèces, de l'ordre de 2 mois chez les petits oiseaux marins, classique des goélands, classique des stariques du Pacifique Nord, classique des sternes et des labs. Par contre, jusqu'à 6 mois chez certains fous et chez certains albatros. Et chez le grand albatros, là encore, rappelez-vous, on vit très vieux, on fait tout lentement, le cycle peut s'étaler jusqu'à 9 mois. Donc 9 mois pour élever un poussin. Pensez un peu la débauche d'énergie pendant 9 mois, faire ces milliers de kilomètres en pleine mer pour ramener ici des calmars, ici une bouillie de lipides à son poussin qui va survivre ainsi à l'hiver. Donc quelque chose d'assez étonnant. Et le record, pensez-y, est détenu par le manchot royal, mais également la frégate du Pacifique, une période d'élevage qui s'étale sur plus d'un an. Donc un an à trimer, à ramener de la nourriture de haute mer pour élever un seul poussin qui aura bien du mal à survivre, puisque pensez que parfois 75% des jeunes oiseaux ne survivent pas à leur première année. On sait par exemple que chez les jeunes grands albatros, la première année d'émancipation, lorsqu'ils quittent le nid, c'est une année terrible. Ils font face aux tempêtes de l'océan. Ils ont du mal à trouver, bien sûr, de la nourriture en quantité suffisante. Et on retrouve souvent les cadavres échoués de ces pauvres poussins sur les plages. Donc jusqu'à 75% de taux de mortalité au cours des mauvaises années. Donc vraiment, une première année très, très difficile. Par contre, s'ils survivent à leur première année, ces jeunes albatros hurleurs vont passer jusqu'à 5 à 6 ans à errer dans l'océan sans jamais revenir à terre, pensez-y. Et pendant toutes ces années, ils vont faire jusqu'à 267 000 km par an. Ça, c'est un maximum. En moyenne, c'est plutôt 183 000. Mais pensez qu'au bout de 6 ans, ça fait plus d'un million de kilomètres qu'ils auront parcouru en pleine mer avant de revenir à terre, s'investir à leur tour dans le premier cycle reproducteur, en tout cas dans la première parade amoureuse pour trouver un partenaire dans la colonie. Donc, une existence océanique incomparable. Les albatros sont vraiment les vagabonds des océans. Et quid des adultes ? Eh bien, pendant leurs années sabbatiques, leurs années de vacances, eh bien, pareil, ils ne touchent plus terre. Et souvent, ils font même le tour de l'Antarctique, parfois même plusieurs fois, à la faveur des vents qui balayent l'océan austral, les vents d'ouest. Et donc, ils vont errer comme ceci, s'alimenter, se reposer sur l'eau, mais ne jamais mettre le pied à terre, parce que, je le répète, ces oiseaux sont bien plus adaptés
à la vie en haute mer qu'ils ne le sont, bien sûr, à terre. Et du reste, à terre, il n'y a rien à faire pour un albatros, si ce n'est que pondre un œuf et élever son poussin. Alors certains de ces oiseaux marins vont quitter l'île qui a vu le site de leur reproduction et partir vers des destinations exotiques, souvent pour des raisons alimentaires. On a tous en mémoire les migrations de la sterne arctique, mais moi j'aime à citer d'autres exemples, et j'aime beaucoup le puffin fuligineux, qui est un pétrel aux migrations spectaculaires, puisque c'est un oiseau qui niche en Nouvelle-Zélande et qui chaque année traverse l'équateur et va passer l'hiver au large de l'Alaska ou au large des îles Aléoutiennes, donc dans le nord du Pacifique. Il revient invariablement le 24 septembre en Nouvelle-Zélande pour amorcer son cycle reproducteur, donc une boucle de 65 000 km, rien que ça. Et bien sûr, la motivation, c'est de gagner des secteurs très riches, notamment les secteurs peu profonds au large des Aléoutiennes, au large du Kamchatka, qui figurent parmi les zones les plus productives au monde. Donc il y a une motivation. On ne voyage pas pour le plaisir, on voyage pour refaire le plein d'énergie. Et je vous souhaite un jour d'aller aux îles Aléoutiennes, où on a comme ça des radeaux de puffins fuligineux qui obscurcissent l'horizon. C'est fantastique. Et parfois, quelques baleines qui émergent et qui viennent profiter, bien sûr, de ces ressources alimentaires extraordinaires. Alors, tout ceci n'est pas sans risque, parce que lorsqu'on traverse l'océan, eh bien, on fait face à des menaces, bien sûr, qui sont de plus en plus, je dirais, nombreuses. Les oiseaux marins sont confrontés à des problèmes qu'ils n'avaient pas jadis. Et malheureusement, beaucoup d'oiseaux marins sont aujourd'hui menacés. En tout cas, l'état de leur population ne sont pas très réjouissantes. On estime même que 28% de ces espèces d'oiseaux marins, donc 28% de 305 espèces, sont en danger sur la liste rouge de l'UICN. Donc un phénomène très préoccupant. Et les dangers et les menaces sont d'ordre varié, mais les prélèvements directs sont parfois localement importants. Les pêches industrielles, on va en reparler, la pollution, les espèces invasives et surtout aujourd'hui les changements environnementaux qu'on appelle plus globalement les changements climatiques. Les prélèvements directs ont été responsables de la disparition totale de deux espèces d'oiseaux marins à l'époque historique. Vous connaissez tous l'exemple célèbre du grand pingouin qui peuplait jadis l'Atlantique Nord, qui a été complètement exterminé par les hommes au milieu du 19e siècle. Le cormoran à lunettes est une autre espèce moins connue, celle-ci qui vivait dans le Pacifique Nord, sur l'île du Commandeur, incapable de voler, proie facile des chasseurs. Donc deux espèces éradiquées totalement de la surface du globe par les hommes. Alors aujourd'hui, il y a encore des prélèvements directs, et je reviens du Groenland, malheureusement c'est un pays fabuleux, mais c'est un pays où il n'y a aucune politique de management, je dirais, de la faune sauvage. Et là-bas, malheureusement, les Inuits continuent à massacrer, je dirais, les guillemots bruniques. On trouve des mouettes tridactyles sur les marchés en plein mois d'août, donc période de reproduction de ces oiseaux. Bref, les effectifs d'oiseaux marins de la côte ouest du Groenland ont chuté de manière catastrophique. Alors je dirais, ce n'est pas très grave parce qu'il n'y a pas d'espèces endémiques. Il y a d'autres guillemots bruniques ailleurs, il y a d'autres mouettes tridactyles, mais tout ça pour vous dire que parfois, encore, on n'a pas toujours retenu les leçons du passé. Les prélèvements dans ces endroits sont vraiment, vraiment excessifs. Les pêches industrielles sont une préoccupation majeure parce que pendant longtemps, un peu moins aujourd'hui, mais pendant longtemps, la pêche à la palangre, les palangriers de haute mer ont été une source très importante de mortalité, notamment dans l'hémisphère sud. On parle de 300 000 oiseaux par an qui mouraient tout simplement en étant agrippés par les hameçons lorsqu'ils tentaient de dérober tout simplement les appâts. Donc le malheur avec cette pêche, c'est qu'elle est très peu sélective. Outre les oiseaux, il y a également beaucoup de requins qui se font prendre, des tortues marines. Et il y a des solutions qui existent aujourd'hui qui ont fait leur preuve. Donc la tendance s'inverse, mais il y a encore beaucoup d'oiseaux qui meurent dans des conditions atroces. Et lorsqu'il s'agit d'albatros, on l'a vu avec une démographie très particulière, un taux de survie adulte très élevé, une mortalité juvénile importante, eh bien les populations s'effondrent. Si vous tapez dans le pool de reproducteurs, la démographie étant ce qu'elle est, eh bien la population décline. Et on a eu longtemps comme ça des populations d'albatros qui ont décliné. Aujourd'hui, la tendance est inversée, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut être vigilant parce que certains palangriers taïwanais ou de Singapour ne sont pas équipés des modifications qui font que les appâts donc, sont lestés avec des plombs et coulent trop vite. Donc là, on a encore des albatros qui sont happés et qui meurent tout simplement noyés. Donc c'est un spectacle assez terrible, mais qui existe encore. Bien sûr, en Bretagne, vous êtes au courant de ces pollutions par hydrocarbures. Aujourd'hui encore, des quantités astronomiques, 1 million de tonnes d'hydrocarbures sont déversées chaque année dans les océans du globe. C'est beaucoup moins qu'à la fin des années 70, mais encore, c'est beaucoup trop.
et on a tous en mémoire des catastrophes récentes. Deepwater Horizon, c'était dans le golfe du Mexique, 800 000 oiseaux marins décimés par une seule marée noire au large des côtes du Mexique. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Rappelez-vous que ce sont des catastrophes qui sont bien sûr préjudiciables à certaines populations qui connaissent déjà un déclin localement dû à d'autres, bien sûr, d'autres raisons comme les pêches ou voire d'autres pollutions. Aujourd'hui, l'océan est une poubelle, vous le savez mieux que moi. Vous habitez la Bretagne, alors peut-être pas ici, mais si vous allez dans le Pacifique, parfois c'est terrible de voir ce qui flotte à la surface de l'océan. C'est devenu une poubelle, notamment les matières plastiques sont omniprésentes. Et une récente étude a montré que ces matières plastiques dérivent partout au gré des courants. Et ils sont surtout accumulés d'ailleurs dans des tourbillons circulaires qu'on sait très bien localiser, dont un majeur dans le Pacifique central au large des îles Hawaï, un autre bien sûr dans l'Atlantique sud, également au large de l'Australie, entre Madagascar et l'Australie, dans le sud de l'océan Indien. Donc ces matières plastiques dérivent et sont rassemblées par des courants et parfois sur certaines plages, si vous allez aux îles Hawaï, c'est une catastrophe parce que vous trouvez bien sûr ces débris échoués sur les plages, mais pensez qu'il y en a autant qui flottent à la surface de l'eau. Alors, quand ces débris sont gros, ce n'est pas très joli, mais finalement, ce n'est pas très nocif parce qu'une bouteille de plastique, bon, ça ne fait pas trop de mal à nos eaux marines. Les mailles des filets, ça, c'est autre chose. Ils peuvent bien sûr s'étrangler. Mais ce qui est bien plus insidieux, ce sont les toutes petites matières plastiques qui sont innombrables, qui flottent par milliards sur l'océan. Et ces petites particules plastiques ont une durée de vie très longue et elles sont ingérées par les oiseaux marins de plusieurs façons. La première, c'est tout simplement lorsque les oiseaux marins ingèrent des proies, comme les poissons, qui elles-mêmes ont ingéré ces petites matières plastiques. Donc forcément, la chaîne alimentaire étant ce qu'elle est, l'oiseau va consommer ce poisson qui lui-même a consommé des matières plastiques. Mais l'autre façon, et c'est là encore plus étrange, c'est que parfois les oiseaux marins consomment directement ces matières plastiques en suspension parce qu'ils sont mépris, ils pensent que ce sont des proies. Et c'est le cas des albatros aux îles Hawaï qui ramènent à leurs poussins, qui vomissent à leurs poussins. Au lieu de vomir des calmars ou des poissons, ils vomissent des matières plastiques. Alors vous allez me dire, mais les albatros sont-ils assez stupides pour confondre un bouchon de plastique qui flotte avec un calmar? Non, ils ne sont pas foncièrement stupides, les albatros. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une telle compétition en mer pour avoir accès à la nourriture le premier, qu'ils se battent littéralement. Donc ils ne réfléchissent pas. Tout ce qui flotte est une proie potentielle. Et ça l'a été pendant des milliers d'années. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on trouve à la surface de l'eau des choses qui flottent et qui n'ont pas à flotter. Donc pour un oiseau marin, un bouchon de bouteille rouge qui flotte, c'est une proie à consommer. Donc ils le font sans modération, ils avalent cela goulûment et ils ramènent cela à leurs poussins. Et le résultat, c'est que certaines espèces d'albatros, comme l'albatros de l'Aisan ici aux îles Hawaï, eh bien beaucoup de ces poussins meurent d'occlusion sur leur nid. Vous voyez ici une photo très spectaculaire d'un jeune albatros de l'Aisan qui a consommé le repas rapporté par ses parents, en l'occurrence des matières plastiques, et ces matières plastiques ont complètement obstrué le système digestif de ce pauvre oiseau qui est mort peu de temps avant l'émancipation. Il avait déjà ses plumes de vol. Il était prêt quasiment à s'envoler, mais le pauvre n'a pas survécu. Et vous avez ici sur la droite toutes les matières plastiques qui ont été trouvées dans son système digestif. Vous avez tout, depuis les bouchons de bouteilles, en passant par les briquets, les brosses à dents, les stylos. Donc tout ça flotte à la surface de l'eau. Et bien sûr, les oiseaux marins consomment ça sans modération. On estime que 90% des oiseaux marins de la planète auront consommé au moins une fois du plastique avant la fin de leur vie. Donc c'est un phénomène planétaire qui est bien sûr impossible à régler, mais ça vous laisse présager bien sûr du travail qui reste à faire. Enfin, en termes de pollution, il y a une pollution plus sournoise qui est elle chimique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous savez tous que les métaux lourds sont aujourd'hui omniprésents dans la nature, notamment dans les régions polaires, d'ailleurs, où ils sont concentrés par les phénomènes atmosphériques. Et notamment le mercure, même la forme organique du mercure, qui est le méthylmercure, atteint parfois des proportions, des concentrations énormes dans le sang de certains oiseaux marins, notamment les mouettes ivoires ou la mouette blanche au nord du Canada, des taux 50 fois supérieurs qu'il y a 100 ans. Donc aujourd'hui, on a des oiseaux qui ont des problèmes endocrinologiques, des oiseaux qui ont des problèmes pour se reproduire et une mortalité beaucoup plus importante que par le passé. Du reste, les populations de mouettes ivoires déclinent, on ne sait pas très bien pourquoi, mais certainement que la pollution au méthylmercure et les changements climatiques sont à l'origine de ce déclin alarmant au nord du Canada. Plus insidieuse, la pollution par ce qu'on appelle les polluants organiques persistants. Vous avez tous entendu parler
de ces fameux organochlorés ou ces organophosphorés, fameux DTT ou le lindane, ces insecticides longtemps employés, ces herbicides dans l'agriculture intensive, aujourd'hui interdits, mais qui ont une rémanence si importante qu'on décèle encore aujourd'hui l'action de ces POPs, donc dits d'héritage. Tout ça parce qu'on hérite aujourd'hui de l'épandage de ces insecticides il y a de cela plusieurs années. Rappelez-vous que le DTT a été interdit en 1976. On décèle encore aujourd'hui les traces nocives de ce DTT chez certains oiseaux marins. Plus alarmant, on a aujourd'hui ce qu'on appelle les polluants organiques persistants, dits émergents. Des nouvelles molécules qu'on a mises sur le marché qui sont essentiellement des retardateurs de flamme, bromés, des consommés perfluorés, donc des trucs tout nouveaux. Ce que vous avez au fond de votre poêle pour pas qu'elle accroche, s'en fait partie. Et tôt ou tard, ça se retrouve dans la nature. Et ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus insidieuses parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Ils sont persistants pendant des dizaines d'années. Donc, ils restent dans les nappes phréatiques, dans le sol. Ils arrivent tôt ou tard, bien sûr, en mer. Ils sont, bien sûr, ils s'accumulent dans les graisses. Donc, on a ce qu'on appelle la bioaccumulation. On a aussi la bioamplification. Donc, leur toxicité s'accentue au fur et à mesure, bien sûr, de l'accumulation, notamment lorsque vous êtes un prédateur situé en fin de chaîne alimentaire. Ils sont toxiques, donc ils peuvent produire à haute dose, bien sûr, la mort directe des oiseaux, et ça arrive assez souvent, malheureusement. Et surtout, je le répète, ce sont des perturbateurs endocriniens, donc ils vont parfois mimer le travail de certaines hormones, ou même simuler, donc tricher en quelque sorte. Donc les oiseaux vont être complètement perdus, ils vont avoir un excès de prolactine. Les œstrogènes vont être complètement. La balance des œstrogènes va être déséquilibrée, donc ils ne vont pas se reproduire, ou alors il y aura un investissement parental trop important. Bref, un déséquilibre total de la balance hormonale. Donc ce sont vraiment des produits très insidieux d'un point de vue pathogène. Enfin, il y a une autre menace que vous ne connaissez peut-être pas, mais ce sont tous ces prédateurs qu'on a introduits de manière volontaire ou non dans beaucoup de localités, notamment les îles. Et je fais ici référence aux îles de l'océan Austral, jadis indemnes de mammifères prédateurs. Donc les oiseaux marins menaient une existence, je dirais, paisible. Mais l'introduction de chats, de souris, voire de rats, bien sûr, a sonné parfois le glas de certaines espèces. Et on connaît malheureusement une espèce qui a disparu à cause de l'introduction des chats. C'est un petit océanite, pétrel tempête, là encore, de l'île Guadalupe au large du Mexique, qui a été complètement éradiqué par la faute des chats qui ont été introduits sur l'île. Dans d'autres secteurs, croyez-le ou non, ce sont les souris qui sont un vrai problème parce que les souris, dans certaines îles, atteignent des formes géantes. Elles n'ont rien à manger et l'insularité aidant, elles changent de taille, elles deviennent énormes et elles s'attaquent aux poussins d'albatros. Ces photos ne sont pas très belles, c'est des photos infrarouges. Mais voyez ici un petit poussin d'albatros qui est assailli par des souris affamées et ces souris commencent à les dévorer par ses orifices naturels, notamment les yeux parfois, voire bien sûr l'anus. Ici, vous avez ici une souris qui s'attaque à l'œil, vous voyez, en pleine nuit de cet albatros. Le résultat, c'est que les plaies sont terribles et que ces albatros meurent sur le nid, consommés vivants par ces souris, qu'il est très difficile d'éradiquer. Comment tuer une population de souris sur une île océanique? Très difficile. Des campagnes d'empoisonnement, bien sûr, mais ce n'est pas facile. En tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, un problème majeur pour ces oiseaux, même aussi gros que des albatros. Et enfin, et ça sera ma conclusion, les oiseaux marins font face aujourd'hui à un défi, ce qu'on appelle le défi climatique, le changement de l'environnement qui est perceptible surtout dans les régions polaires où je vais très souvent. Et lorsqu'on dit que les oiseaux marins sont sensibles au changement climatique, ce n'est pas la température qui leur pose problème, parce que nos oiseaux marins, qu'ils fassent 2 degrés de plus ou de moins, ce n'est pas un gros problème. Par contre, on sait bien sûr que le changement de température des eaux de surface induit effectivement un changement dans la disponibilité des proies. C'est aussi simple que cela. Des variations aussi subtiles que 1 degré, voire 1 demi-degré, changent complètement les réseaux trophiques et parfois les proies qui jadis étaient abondantes eh bien, deviennent rares ou sont remplacées par d'autres espèces. Et on a beaucoup d'exemples aujourd'hui où ces réseaux trophiques, malheureusement, sont entamés de manière spectaculaire. L'Atlantique Nord en fait partie. La balance entre Macro, par exemple, et Lançon a complètement changé et certains oiseaux marins sont en déclin parce qu'ils ne trouvent plus les proies qu'ils trouvaient auparavant. Le macareux en Islande, le macareux moine en Islande, une chute spectaculaire de ses effectifs, là encore dû à la raréfaction des lançons. Les températures de surface au large de l'Islande ont augmenté d'1,8 degré, presque 2 degrés. Les lançons ont chuté, il n'y a plus rien à manger pour les macareux.
Lorsque la température s'écarte d'un optimum de 9 degrés pour le macareux UP à Vancouver, eh bien les poussins ne sont plus nourris. C'est un échec total. 85% des gorfous sauteurs des îles Malouines ont disparu. Là encore, parce que les températures de surface ont changé, donc ces gorfous sauteurs ne trouvent plus autant de proies que par le passé. Et les manchots royaux des îles Crozet, une mortalité plus importante les années où la température varie d'un demi-degré seulement. Donc une petite variation de la température de l'océan a des conséquences énormes sur certains oiseaux marins. Mais certains tirent leur épingle du jeu. Certains sont les gagnants, je dirais, de la loterie climatique, puisque pensez au foot bassin, actuellement en expansion dans l'Atlantique Nord, qui lui tire profit donc de la profusion de maquereaux aux dépens des lançons dans certains secteurs. Donc il y a des perdants, mais il y a également des gagnants. Donc c'est difficile de tirer un scénario précis, mais en tout cas dans les régions polaires, c'est sûr que certaines espèces font déjà face et feront face à un problème important. On sait par exemple qu'une augmentation de 2 degrés simplement fera chuter de 50% la population de manchots empereurs à l'horizon 2050. Donc c'est énorme. C'est énorme l'amplitude du phénomène, parce que 2 degrés, ce n'est pas beaucoup, et 2 degrés, ça va arriver très rapidement en Antarctique. Dans le Grand Nord, le mergule nain donne une lueur d'espoir, parce que ce petit talcidé semble s'adapter au changement climatique, notamment au Svalbard, en adaptant son effort de plongée. En gros, il plonge plus souvent, plus profondément, et il s'alimente de proies un peu différentes que par le passé. Donc, il fait preuve d'une certaine plasticité. Donc, il est en train de tirer son épingle du jeu. Le problème du mergule nain, c'est que les prévisions les plus alarmistes font état de 7 degrés d'augmentation de la température à l'horizon 2100. Et 7 degrés, c'est beaucoup trop. Donc lui-même, je ne sais pas s'il sera capable d'avoir la vivacité ou la plasticité de s'adapter rapidement. Et c'est vraiment un point d'interrogation. Comment vont faire les oiseaux marins pour s'adapter à ces changements qui interviennent de manière si brutale? C'est un point d'interrogation majeur pour les biologistes. Mais j'aime à croire que certains vont vraiment tirer leur épingle du jeu, parce que pensez à ces manchots, par exemple. Ici, un sympathique manchot adélie qui, pendant des millions d'années, s'est transformé pour avoir ce corps maintenant si parfaitement adapté, cette biologie si extraordinaire. Et moi, j'aime à penser que dans quelques millions d'années, ces manchots seront les premiers à trouver la solution pour se reproduire en pleine mer. Je pense qu'on ne sera pas là pour le voir, malheureusement. Mais s'il y en a un qui doit trouver la solution, ça sera lui, parce que j'imagine aisément un scénario du type poche, vous savez, marsupium des kangourous, élaborer une poche pour un manchot, être capable de pondre son œuf dans la poche et de faire éclore cet œuf dans sa poche, de manière à ce que le petit flotte en surface ensuite, ça serait un pari gagné, puisqu'il mènerait à ce compte-là une existence océanique toute leur vie. Actuellement, le problème des manchots, c'est de revenir à terre ou de revenir sur la banquise pour se reproduire. Gageons qu'ils vont trouver une solution si, bien sûr, on leur laisse le temps. Mais pour ce qui est, bien sûr, des changements climatiques, c'est un autre problème. Beaucoup d'études sont en cours et c'est, là encore, un domaine très stimulant pour les chercheurs, parce qu'on n'a aucun précédent. La vitesse de ce changement climatique est vraiment beaucoup plus importante qu'il ne l'a été jamais par le passé. Donc, c'est ma conclusion. Merci de votre attention. J'ai été peut-être un tout petit peu long. Sachez que la plupart des photos de cet exposé sont, bien sûr, consignées dans ce livre que j'ai co-écrit avec un ami du Centre d'études biologiques de Chizay, une antenne du CNRS à Niort. On est tous les deux passionnés d'oiseaux marins. On passe notre temps à étudier ces oiseaux. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur les oiseaux marins, beaucoup de choses stimulantes, beaucoup de choses qui restent mystérieuses, mais ce sont vraiment des oiseaux hors normes. Et j'espère que ces quelques explications vous auront donné envie, bien sûr, d'en savoir plus. Merci à tous et je suis prêt, bien sûr, à répondre à toutes vos questions.